Bien, salut à tous les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur notre carrière suivie sur FS15. Donc oui, pas mal de lavage à faire aujourd'hui. Mais avant de commencer le lavage, déjà, je vais vous dire que les cultures sont prêtes à être récoltées, hein. Donc le maïs est prêt, notre blé est prêt et notre colza. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la New Holland et on va l'emmener au colza. On va la laisser faire tranquillement. Et une fois qu'elle aura fait, on la déplacera, tout ce qui s'ensuit. Mais en attendant, on en profitera tout simplement pour, laver notre matériel et le ranger, tout simplement. Donc, alors, avant de tourner cette vidéo, j'ai fait plusieurs tests avec Fraps. Donc, je l'ai redescendu à 35 FPS pour voir. Donc, les FPS ne jouent pas sur la taille de la vidéo, tout simplement. Par contre, ce qui change, c'est effectivement la qualité graphique. J'ai fait un test très simple en ultra. Donc, comme j'étais d'habitude, j'étais à 120 gigas la vidéo. 120 gigas. La vidéo de 30, un peu plus, 30 minutes, on va dire. Alors que, pour vous donner un comparatif, je me suis mis en qualité médium, donc en moyen. J'ai fait 15 minutes, j'ai laissé tourner Fraps en jouant, tout simplement. Je me suis retrouvé avec 31,4 Go pour 15 minutes, donc x2, ça fait 62,8 Go. Voilà. Grosso modo, c'est ce que j'ai calculé. Donc ça voudrait dire qu'en médium, 60, allez hop, 65 Go. Me fait ma vidéo de 30 minutes au lieu de 120. Donc c'est deux fois moins. Donc là maintenant, ce que j'ai fait. Ce qui me dérangeait en médium, c'est que j'avais pas les rétros. Donc là, je me suis mis en élevé et non pas en ultra. Parce que personnellement, je vois pas de différence graphique. À mis à part que les rétros fonctionnent pas en moyen. Enfin, moi, je vois pas de différence perso. Maintenant, on va justement faire le test. Tout simplement. C'est-à-dire, je vais faire cette vidéo, comme je vous ai dit, en élevé. Et je vais voir combien de gigas elle va me faire. Tout simplement. Et en fonction de ça. Et eh ben je verrai si je laisse ou pas tout simplement. Bon, est-ce qu'elle se lave cette putain de masse? J'ai l'impression qu'une fois de plus elle se lave pas quoi. Oh putain que ça va me casser les boulons ça. Parce que je vois pas du tout de poussière, enfin de saloperie en foutre le camp. Bon, tu vas me dire, ce tracteur, je l'ai pas lavé depuis un moment aussi, hein. Bon, on va une fois voir si le tracteur se lave. Parce que c'est vrai que le tracteur, il a tourné beaucoup, celui-là. Et il a pas trop été lavé, hein. J'ai pas eu le temps de le laver, tout simplement. Ah, le tracteur, on voit qu'il est en train de se nettoyer. Nickel. Impeccable. Il est presque propre. Voilà, nickel. Que demande le peuple? Il est propre. Le semoir, c'est pareil, il est en train de se laver. Impeccable. J'ai presque envie de dire que le semoir, il est déjà propre. Maintenant, cette masse là. J'aimerais essayer de nettoyer la masse quand même. Alors, ça, j'ai jamais compris. Alors, j'ai un abonné qui m'a dit il faut se mettre sur le logo, ça nettoie plus vite. Alors, personnellement, j'ai essayé de me mettre sur le logo à côté, de bouger, de faire ce que je voulais. Quand elle a décidé qu'elle ne se laverait pas, elle ne se lavera pas cette masse. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, écoute, tu vas pas te laver, tant pis. Donc maintenant, on va laver le petit T4. Merde, je monte sur le tracteur. À l'épandage d'engrais, on va le nettoyer un coup quand même parce que. C'est que le Maurice, il devient sale. Rassure-moi, t'es en train de te nettoyer là. Ouais, ça y est, il se lave, je crois. Ouais, c'est bon. Ce que j'allais dire, mon Dieu, s'il se nettoie pas, ça va pas le faire. Ok, il est tout propre. Alors le chargeur, maintenant, c'est vrai que le chargeur, il y a des fois où je galère aussi à le nettoyer. J'espère qu'il va se laver correctement. Parce que sinon, ça va pas le faire, hein. Y a pas un point où il faut toucher, enfin c'est un petit peu bizarre là de comprendre leur fonctionnement pour nettoyer les équipements. Moi je trouve ça un peu chelou franchement, parce que des fois tu arrives, ça se fait tout bien et après ça se fait pas du tout. Alors je pense, hein, bah, après c'est ce que j'ai entendu de pas mal de personnes,
qui disait oui, mais moins tu laves, plus il est dur à laver. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord, c'est même une question de logique. Mais après, là où je suis pas d'accord, c'est que y a des moments, je vous assure, que je suis dessus, j'insiste comme un idiot. Ben, des fois, je suis obligé, vous savez comment je fais? Je décroche le chargeur frontal ou la masse, et là, ça se nettoie. Là, j'ai l'impression que ça se nettoie. Ça se nettoie pas, ou ça se nettoie vraiment très peu. Hein. Le tracteur, ça va, vous avez vu, je l'ai encore bien eu. Hein. Ah si, j'ai l'impression que ça se lave, non. J'ai bien dit, j'ai l'impression. Ah d'accord, c'est là devant qu'il faut se mettre. Il est pas encore tout à fait propre. Oh, puis merde, il est propre. Hein. Ouais. Allez. Voyons voir si cette masse va se laver toute seule ou pas. Putain, et cette masse, regardez, elle se lave nickel. Non, mais alors là, je comprends plus rien. Celle à 700 kg, elle se lave impeccable. Et la 1000 kg, j'arrive pas à la laver. Non, mais putain de bordel, mais faut, c'est quand même quelque chose, ça. Hein. Regardez ça, elle est impeccable, elle est propre, elle est nickel. Ah, le case, il est bien quand il est crade, j'aime bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la salissure sur le case, je trouve qu'elle est bien faite. Putain, est-ce que le tuyau du Karcher peut me faire aller aussi loin? Apparemment, oui. Alors, est-ce qu'il va se laver? Telle est la question, parce que pour le moment... J'ai l'impression qu'il se lave que dalle. Qu'il n'y a rien qui se passe. Après, je peux peut-être me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui se lave, là. Ah. Ah non, j'ai rien dit. Bon, bon, on va attaquer le semoir, alors, pour voir. Pour voir un petit peu. Je vais réussir à le laver, ce salopard. Hein. Ah, dès que tu vas sur le logo, voilà, da boum, ça le nettoie tout seul, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Donc, ça veut dire que si je me mets comme ça. Ça veut dire qu'il va se laver théoriquement. J'ai bien dit théoriquement. Et pour le moment, j'ai l'impression que. J'ai l'impression qu'il se lave pas. Enfin, je sais pas, je dois peut-être délirer, mais. Je pense que vous allez voir comme moi que je suis dessus, j'insiste. C'est sûr qu'il veut rien savoir. Et si je me mets sur la roue une fois? Alors attendez maintenant. Maintenant je fais un test. Juste un test. Hein. Mais c'est... Je suis en train de voir clair là. Ça fait 5 minutes que je me fais chier pour laver ce putain de tracteur. Ça veut pas. Je le décroche et il se lave tout seul. Non mais vous êtes témoin. Vous êtes... Franchement là vous êtes témoin. Oh putain. Je... Alors attendez, bah du coup elle a largement le temps de finir. Donc il est où le Dutz? Là. On va l'emmener. Alors là je comprends plus rien, maintenant il faut décrocher un tracteur pour le laver. Bref, 10 minutes j'ai perdu avec ces conneries quoi. Incroyable mais vrai. Bon. Allez, on va ranger tout le matos. Voilà. Oh, la masse, elle sera crade et elle restera crade, et c'est tout. Je veux pas me faire chier si elle veut pas se laver. Je suis sûr que là, je la décroche, elle se lave. Mais bon, écoute.
Pareil, celle qu'il y a devant le Sam, là, c'est une combien? Ah, c'est une 700, celle-là, ça l'aura bien. Voilà. Hop. On va le remplir, lui. Et puis, on va tout simplement le mettre au repos. Voilà. Impeccable. Alors ça c'est con, quand vous êtes sur manette Xbox, normalement LBY ça vous permet de rentrer la buse. Et je sais pas pourquoi, moi quand je fais LBY, il me marque la paille n'est pas disponible pour ce type de culture. Donc en gros ça veut dire que je peux sélectionner la paille aussi. Alors j'y comprends plus rien moi non plus. Hop là, vient la petite T4. Donc du coup, ça veut dire que le Sam, on va le faire travailler un peu. Il va commencer le déchômage, les amis. On va voir un petit peu ce qu'il donne, le déchômeur. Celui-là, j'ai jamais essayé personnellement. Je sais pas du tout ce que le déchômeur, il vaut là. Hop, recule. Allez, case. Monsieur Casque, il faut que je te décroche tous les équipements pour que tu te laves. C'est qu'il est difficile en plus ce tracteur là, con là. Ah non, si j'ai mes équipements accrochés, je resterai sale. Putain, j'espère qu'il y aura un patch avec ça, hein, franchement, parce que ça c'est vraiment relou. Voilà. Donc toi viens là. Notre Sam 190 chevaux. Merde. C'est parti. Sam Fortis, celui-là il est vraiment bien Sam, hein. Franchement. Bon, Sam fait partie de SDF Group, donc. Oh putain, mais comment qu'il glisse! Donc fait partie de Dutz, hein. Ceux qui ne savent pas, Sam, Lamborghini, Dutz, c'est le même groupe. C'est parti, montre-moi voir un petit peu ce que tu sais faire. Ah bah regardez ça, il tire bien, hein, franchement, 10 km/h. C'est presque réel pour un décompacteur, et encore, je suis pas sûr. Ouais, bon, 4,5 m au lieu de 3 mètres. Par contre, là maintenant, ce que je veux voir, c'est quand il va tourner. Parce que j'ai peur que ce déchômeur à la con, il me fasse des énormes écarts. Ça, je veux voir. On va déjà voir ce qu'il va nous faire. Oui, il m'a l'air de bien braquer le déchômeur là. Impeccable. Ah ouais, franchement nickel. Un tout petit morceau il reste, mais bon, c'est pas la fin du monde. Ouais, vas-y, continue, continue, va. Je vais enlever celui-là, sinon tu vas me faire chier. Sinon, je sais que tu vas m'emmerder. Du coup, je vais le mettre là. Voilà. Ok, elle est la moisson. Bon, on va enlever l'ouvrier, qu'est-ce que vous en pensez? Et on va moissonner nous-mêmes un petit peu. En petite vue intérieure, tranquille peinard. Impeccable. Alors c'est con que les rétros sont pas fonctionnels. Parce que là, franchement dit, à moins qu'ils le sont et que je le sais peut-être pas, mais là, franchement dit, les rétroviseurs me servent strictement à rien. Après, moi je dis ça, mais je dis rien parce que là, mis à part me montrer le sol, franchement, ça m'est vachement utile quand je fais marche arrière. Hein. Après, peut-être qu'on peut les régler, j'en sais rien, mais j'ai pas trop l'impression qu'on peut, hein, personnellement. Ouais, donc aujourd'hui moisson, on va se faire du fric, je pense. Bah le colza, ça vaut hyper cher cette saloperie. C'est pour ça que me suis dit, allez hop, on fait tout ce secteur en colza. De toute façon, les petits champs comme ça, ils sont presque pas rentables. Ce qu'il faudrait, surtout le petit où il y a le déchômeur, là, ça serait limite les foutre en herbe. Tu perdrais moins de temps à les moissonner, à faire toute la manutention en fait. Que le champ comme le grand où j'ai mis le maïs là-bas, ça c'est déjà du champ qui en vaut la peine. Hein. Donc en tout cas, ce que moi j'apprécie fortement dans ce FS15, c'est les petits détails du style l'animation de la barre de coupe, hein, qu'on peut régler nous-mêmes le rabatteur, etc.
qu'on voit vraiment chaque culture différente rentrer dans la machine. Alors ça, c'est un petit truc bête, mais personnellement, pour moi, ça compte beaucoup. De voir le maïs grain... Putain, excusez-moi. De voir que le maïs grain, quand tu fais du maïs grain, voilà, ça rentre dans le bec et tout ça, c'est vraiment bien. Oh punaise, je viens de voir un truc, regardez bien. Enfin, j'ai jamais fait gaffe. Vous avez le compteur de vitesse. Donc 9,9 km/h, les tours minutes. Si vous regardez bien, juste en dessous, il y a la trémie qui se remplit. Alors ça c'est sympa, ce petit détail, parce que si maintenant tu fais... Attendez voir. Merde. Attends. Ah, je me disais bien que je pouvais le faire. Vu que maintenant je peux me mettre comme ça, vous enlever cette saloperie, j'avais complètement oublié que j'avais ce mode là. Et ben ça permet que je vois quand ma trémie va être pleine. Bah ça, vous voyez, c'est un petit détail de merde, comme certains diraient. Mais c'est un détail qui pour moi compte. Enfin, un petit peu de réalisme, ça fait du bien. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai pas détouré le champ. J'aurais pu, mais je me suis dit, pour un petit champ comme ça, franchement, ça vaut même pas le coup de le détourer. Tu le fais comme ça, ça va encore plus vite. Tout simplement. Donc en tout cas, moi personnellement, dans ce FS15, cette New Holland là, cette TC590, franchement, moi je la surkiffe, moi je l'adore cette batteuse. Après, c'est peut-être un peu dommage qu'on peut pas, qu'on n'a pas une barre de coupe, peut-être, vous savez, de 6m5 au lieu de 5m5 par exemple, avoir celle-là et une un peu plus grande, parce que je pense qu'une barre de coupe de 6m5 ou voire même de 7m, bon, peut-être pas 7m, ça fait gros, mais 6m5, elle la prendrait sans aucun problème. Hein. C'est ce que je pense. Après, tu peux très bien accrocher celle de la CR10, hein, j'ai essayé. Hein. Mais après, le problème, c'est que pour décharger, mon pauvre garçon, bon courage. Honnêtement, bon courage. Hein. Parce que pour décharger, tu te fais chier, hein, sachant que la buse, elle est 15 km trop petite par rapport à la machine. Donc, c'est vrai que... Enfin, par rapport à la barre de coupe, je voulais plutôt dire. Donc c'est vrai que heureusement que le colza on le traite, n'empêche, parce que sinon putain tu ferais rien avec le colza. Hein. Là on a fait quoi? On a fait la moitié du champ peut-être? Ouais. Moitié du champ, 4 tonnes 8 dans la trémie. Bon. On va pas se plaindre, c'est mieux que rien. J'espère que sur le champ qui est un peu plus grand là-bas, je vais sortir quand même un peu plus. Hein, ça serait quand même plus avantageux. Ah oui, que ça serait beaucoup plus avantageux quand même. Donc du coup j'ai lavé mes tracteurs, mais une fois que le déchaumeur est passé, hein, c'est reparti, on resème direct derrière. Et ouais les gars, pas le temps de perdre de temps. Hein. Par contre là je crois que elle est bientôt pleine par contre là. Ah putain, alors ça c'est complètement con ça, qu'il faut changer de... qu'il faut sélectionner la moissonneuse pour ouvrir la buse. Alors ça c'est complètement idiot je trouve. Je sais plus combien qui va dedans. 6 tonnes non? Un truc du genre? On verra déjà quand elle s'arrête. Il me semble qu'il y a 6 tonnes qui rentrent dedans. Ou 5 tonnes 6. Bon, c'est plus que 5 tonnes 6 en tout cas. Ah, peut-être 6 tonnes effectivement. Donc là, je vais pas perdre de temps avec les demi-tour. Voilà, impeccable. Comme ça, en plus, elle est placée du bon sens quand on voudra décharger. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un régulateur. Je sais plus où j'ai entendu ça. Bon, ça rentre encore. Mais je sais qu'il y a un régulateur. Donc, quand vous appuyez sur la touche 3, vous gérez en sélectionnant le tracteur, vous gérez avec la touche 1 et 2. Alors perso, moi je trouve ce système mal foutu, personnellement. Hein. Putain, mais il y a combien qui rentrent dans cette trémie là? Oh putain, 6 tonnes 4. Voilà, j'ai ma réponse. Voilà ma réponse. Attendez 30 secondes. On est le combien? On est le... Non, j'ai rien dit.
Non, non, parce que j'ai juste reçu un message sur mon téléphone et en fait le truc qui me paraissait bizarre, c'est que mon téléphone me disait que ma copine m'avait appelé à 15h22 alors qu'il est que 13h20. J'allais dire, ok, d'accord, vive la logique, mais en fait c'était hier, donc c'est bon. Ce que j'allais dire, manquerait plus que maintenant celui-là il s'invente des films, l'iPhone, non, j'aurais tout gagné. Allez, c'est parti, vidons la batteuse. On va vider dans le trou là. Voilà, décharge tout derrière. Alors ça c'est vrai que c'est quand même bien. C'est ce système de déchargement là. Comme ça décharge, c'est vraiment bien fait. Hein. Moi personnellement j'adore. Bon, c'est même pas question d'adorer, c'est question que c'est réaliste en même temps. Parce que du grain quand tu le décharges, si ça se déchargeait plat dans la benne, mamma mia. Hein. Ah, alors attends. Donc là je vais mettre un ouvrier les amis. 30 secondes. Ah bah regardez ça. C'est qu'il se débrouille pas mal. Hein. Je voulais juste voir où est-ce qu'il en était, mais j'ai l'impression que il est pas trop trop mal le tracteur là. Qu'on va le laisser finir son petit bout là. Donc toi personnellement j'ai plus besoin de toi. Et tout va largement rentrer dans la trémie. Donc on va aller le mettre à côté de l'autre champ là-bas et on videra avant d'attaquer la longueur. Bon, on va faire ça comme ça. Voilà, impeccable. Et du coup, parlons peu, parlons bien. Du coup, qu'est-ce qu'on met dans le champ là? Parce que, oui, du coup, il a fini de semer, hein, donc indirectement. Ah, mais par contre, je vois pas la semence que j'ai. Là, j'ai ça. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre à... Tiens, de l'orge. On va mettre de l'orge pour changer. Bon, on va le faire semer tout de suite, hein. Écoutez, on va pas perdre de temps, j'ai envie de dire. Oh putain, le deux roues qu'il a fait, lui. Pourtant, t'as combien? T'as 1000 kilos à l'avant. Hop là. C'est parti, notre Sam. Donc, j'espère qu'avec ce champ-là, on va réussir à faire au moins deux bennes pleines. Oh mais putain, mais c'est pas possible. Ça serait vraiment un bon objectif. Vraiment réussir à faire deux bonnes bennes pleines. Putain, mais c'est complètement abusé là. Pourquoi vous avez vu comme il dérape? Touche à peine la manette là. Regardez, je touche à peine. Voilà. Là maintenant il le fait pas naturellement quoi. Quand... N'importe quoi. Putain, j'ai pas une grosse masse à l'avant, j'ai 700 kilos. C'est parti. C'est parti mon Maurice. Des chaumes. Elle est là ma batteuse. C'est parti. On va moissonner tranquille. Donc on aura déjà fini de champ. Donc alors par contre maintenant du coup il faut que je remette juste le chronomètre. Voilà. Parce que sinon, je vois pas ce que je fais. Donc là, c'est vrai qu'on fait pas mal de moissons. Gagner pas mal de sous, j'espère. Et pour le prochain épisode, je pense que on fera du maïs grain. Voilà, on va faire du maïs. Tout simplement, on va s'attaquer au maïs. Et en parallèle, je vais voir pour peut-être commencer à acheter un petit peu de... Putain, l'idéal aurait été... Bon, l'ensileuse, à la rigueur, peut attendre. Mais à la rigueur, vous savez, voir pour acheter le matériel pour faire des bottes. Donc pourquoi pas presse, arcuzin pour aller plus vite pour ramener à la ferme à la rigueur, ranger les bottes et tout ça. Ouais, commencer déjà à préparer, à faire la paille déjà, ça serait pas mal. Après voir pour s'équiper pour faire un peu de foin, parce que du foin mine de rien on n'y pense pas mais il en faudra. Ah bah c'est bon, elle est vide. Du foin il en faudra. C'est parti. Donc maintenant je suis curieux de voir sur une longueur combien est-ce qu'on va avoir dans la trémie. Ouais, il va falloir que dans un premier temps qu'on fasse pas mal de paille. Ensuite qu'on fasse du foin. Ça sera aussi un objectif. Et une fois que ça sera fait, ben il faudra qu'on fasse de l'ensilage.
tout en même temps en travaillant les cultures, en faisant du maïs, du blé, etc., du colza, pour tout simplement se faire plus d'argent, pour pouvoir tout simplement commencer à acheter des animaux. En fait, si... Ah merde, en fait, si on regarde, honnêtement, là, on commence à être bien un petit peu niveau matos. On a la... Attendez, je vais juste mettre l'ouvrier 30 secondes. On a la bonne New Holland, on a un bon petit déchaumeur, on a un bon semoir à maïs, on a un bon petit tracteur, bonne remorque, on a ce qu'il faut. Sincèrement, on a ce qu'il faut. Mais quand on y regarde, par rapport à rien qu'au fait qu'il nous faudrait un épandeur à fumier, une cuve à lisier, un andaineur, une autochargeuse, une botteleuse, une faucheuse, une faneuse, il nous faudrait aussi de quoi les nourrir. Un jour, de quoi faire des patates betteraves. De l'équipement forestier. Bon, en y regardant, en fait, là, actuellement, on n'a rien au niveau matos. Hein. Franchement, on est encore loin. Donc, on est au bout et elle a une tonne 2 dans la trémie. Une tonne 2. Donc, elle va en faire des allers-retours avant que sorte une trémie. Hein. Ça, je peux te le dire. Il me semble en blé que quand je faisais un aller avec celle-là, là, elle était à plus de la moitié, je crois. Ah ouais, d'accord, quand elle tourne, elle coupe la barre de coupe. C'est ça? J'ai bien vu? Ouais, c'est pas impossible. Le colza, ça se remplit, mais c'est pas non plus la mort. Hein. Pas non plus la joie. Hein. Ça se remplit tout doucement dans la trémie. Hein. En tout cas, moi je suis vraiment fan de l'intérieur, hein, franchement. Attendez voir. Non, je voulais voir si ça s'affichait au compteur, mais c'est peut-être parce que j'ai un ouvrier que ça ne s'affiche pas, hein, tout simplement. Ouais. Donc du coup, je vais voir la taille que la capture aura fait pour cet épisode. Ah oui, mais je peux pas afficher la carte, quel con. Attendez. Voilà. Alors moi, je pense, personnellement, que le champ 40, qui se situe donc juste à côté des vaches, je pense qu'on va y foutre de l'herbe là-dedans. On va mettre de l'herbe dans le champ 40, dans le champ 21-26, parce que c'est des petits champs, voilà. Et peut-être le champ 31 aussi, comme ça on aura 4 champs d'herbe, ça sera pas mal pour faire du foin par la suite. Le champ 41 à côté du biogaz, ben là-dedans on mettra que du maïs, on va pas être con. Le champ 35, 22, 27, 32, 33, on fera de l'ensilage là-dessus. On fera de l'ensilage et du maïs grain. Après les champs plus en haut, on les cultivera aussi. Hein. Et pour le moment, je pense que niveau champ, on va se concentrer un petit peu sur ce qui est assez proche, on va dire. Qui est proche donc aux alentours du champ 30 et tout ça, on a déjà bien acheté. Après, le champ 39 et 34, c'est aussi des belles parcelles à prendre en compte. Pas trop loin de la ferme, ça va. Et après, la partie du champ 40 en bas jusqu'au 20, 22, 20. Juste à côté du magasin, ça peut être vraiment sympa, ça. Ouais, bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fera. Hein. Donc, du coup, je vais juste enlever l'aide. Voilà. Ouais, donc en fait elle fait un aller, un retour, encore une fois un aller, elle est à 53%. Donc en fait, si là je résume de ce que je vois, elle coupe la barre de coupe, le moteur reste à fond, et elle réengage à chaque fois. D'accord, ok. Notre Sam, il est en train de bosser, lui là-bas il sème, parfait. Parfait. Bah écoutez les amis, nous je pense que sur ce, bah, on va se laisser là. Hein. Moi de toute façon, je vais continuer un petit peu hors vidéo pour que dans la prochaine fois, on fera du maïs grain qu'on fera nous-mêmes, tout simplement. Donc ça sera encore de la récolte, hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on fera. Peut-être qu'on pourra s'acheter autre chose. Hein. On va peut-être voir pour s'acheter un peu du champ, de l'équipement, on va voir. Voilà. Et bah écoutez les amis, j'espère... Oh putain, il en chie. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!